un camp qui est préparé toute l'année dans le cadre d'un atelier, un atelier thérapeutique, qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, qui a été mis en place effectivement pour venir en aide aux enfants, de la même manière que d'autres ateliers, mais par le biais des sports de pleine nature et notamment certains sports extrêmes comme l'escalade. Je m'appelle Jason, je suis à l'ITEP Le Languedoc pour des problèmes de comportement. Bonjour, je m'appelle Alan, je suis à l'ITEP Le Languedoc. Je m'appelle Florentin, je suis à l'ITEP parce que j'ai des soucis de dyslexie. Je m'appelle Riyad et je suis à l'ITEP parce que j'ai des problèmes de concentration en classe. ITEP, ça veut dire Institut Thérapeutique, Pédagogique et Éducatif. Ce sont des établissements qui accueillent des enfants en difficulté, notamment des enfants qui présentent des troubles de la conduite et du comportement. C'est un objectif qui va leur permettre de concrétiser une année de travail. Et en même temps, on met un but en avant, au même titre que dans l'escalade, il y a un but, c'est celui d'aller en haut. Là, le but de toute l'année, c'est un deuxième but, c'est d'arriver à ce camp, en sachant que ça sera un moment intense, un moment où on va intensifier la pratique, notamment la pratique de l'escalade, mais on va vivre ensemble des choses fortes qui vont nous réunir, nous unir, de manière à aller plus loin encore que dans ce qu'on peut vivre dans un atelier simple qui est très court, qui est sur 1h30 ou 2h. Sur une semaine, un jeudi après-midi par exemple. Voilà. Donc vraiment, réellement, l'intérêt du camp, c'est d'intensifier à tous les niveaux les choses, de manière à ce qu'émotionnellement, l'enfant puisse traverser d'autres choses. C'est un projet qu'on a commencé, voilier escalade, il y a 5 ans. Moi, je suis sur l'atelier depuis 5 ans. C'était Patrice Aubernel à l'époque qui m'avait sollicité pour faire partie du projet avec lui, parce qu'il y avait un appel à projet de Generali Assurance pour des projets partant d'une association qui évolue au contact d'un public en difficulté et à vocation sportive. La présentation de ce projet, de cet appel à projet, c'était une personne qui était immergée dans l'eau en apnée et qui remontait à la surface. Donc, comme nous, notre credo, c'était l'escalade, on se demandait comment on pouvait articuler cet élément maritime, j'ai envie de dire, avec l'élément de la montagne et de la falaise. Florentin peut avoir des défauts de concentration, par exemple. Il peut partir dans son monde et effectivement, l'escalade, c'est quelqu'un que ça peut ramener dans une réalité. Et donc, ça peut être très bénéfique pour lui à ce niveau-là. Alors, Riyad, bon, c'est un touche-à-tout, c'est quelqu'un qui remue beaucoup. Mais c'est un hyper doué, notamment au niveau de l'escalade. C'est quelqu'un qui va passer très très vite dans les endroits. Il a de multiples centres d'intérêt. Il n'a pas fini une chose qui saute à une autre. Donc pour lui, c'est évidemment le recentrer réellement sur quelque chose qui est immédiat et dans lequel il va pouvoir exprimer complètement tout ce qu'il a exprimé. Alors Riyad a beaucoup accroché avec l'escalade, il a un très fort niveau. Tout de suite, il est dans le 6A, 6A+, ce qui est exceptionnel. Et l'escalade et la relation avec nous dans un camp comme celui-là, très confiné sur un bateau, etc., et en proximité, lui permet de se canaliser. On l'aide à se canaliser, on l'aide à se poser mentalement et à ne pas s'affoler sans arrêt sur 10 000 choses à la fois. Alan, c'est vraiment un introverti, mais qui a une énorme volonté. Ce n'est pas forcément un doué, mais c'est un travail humain, entre guillemets, ce que j'appellerais quelqu'un qui arrivera par sa volonté. Même si au départ, il n'a pas les capacités, il a une immense volonté d'avancer. Et l'escalade va lui permettre de la développer encore plus, cette volonté. Jason, moi je l'ai vu comme quelqu'un qui était un peu dans son monde à lui. C'est comme ça que je l'ai un peu rencontré la première fois, un peu dans son monde à lui. Tu vois, il t'appelle tout le temps Michel ou je sais pas, il utilise tout le temps des noms un peu d'autodérision souvent. Comme ça dans le kebab. Leurs troubles viennent d'une vie chaotique, d'un parcours de vie très chaotique souvent, pour certains de problèmes familiaux assez ancrés, d'autres parce qu'ils n'ont pas été assez stimulés, assez nourris de manière affective,
intellectuelle, environnementale. Ils vivent dans des quartiers pour certains très difficiles. Ils sont tellement percutés par leurs troubles personnels qu'ils ne sont pas en mesure d'être ouverts sur les autres, en mesure d'attendre quelque chose de l'autre, puisqu'ils sont rongés et travaillés par tout ce qui les percute, leurs angoisses, leurs troubles instrumentaux. Je parle des troubles instrumentaux, on peut parler de dyspraxie, dysorthographie, dyslexie, donc ils cumulent tous ces handicaps dans leur scolarité, donc ça les handicape, ils en souffrent. Ils doivent restaurer la confiance en l'adulte. Donc cet atelier, tout de suite, essaie de restaurer la confiance en l'adulte. Sans la confiance en l'adulte, l'enfant ne peut pas continuer dans l'atelier, c'est impossible. À un moment donné, il doit avoir totalement et pleinement confiance, il doit s'abandonner complètement à l'adulte. Parce qu'évidemment, on va se retrouver dans des situations où on va devoir s'abandonner. On va devoir s'abandonner à la personne qui nous amène quelque part, puisqu'on n'a pas les compétences pour s'y rendre, en pleine paroi, etc., en pleine mer. Et l'enfant va devoir faire aussi confiance au matériel. C'est-à-dire que tout ce qui est matériel, la corde, le baudrier, l'équipement en place, etc., toutes ces choses-là, c'est aussi quelque chose dans lesquelles il faut avoir confiance. Sinon, c'est une activité qu'on ne peut pas pratiquer. Et donc la confiance en l'adulte est très importante, parce que l'adulte, lui, va porter la parole et il va dire « oui, tu peux te mettre dans ton baudrier, oui, tu peux te mettre dans la corde, elle est solide, elle peut tenir une voiture, elle peut tenir un bus, elle peut tenir, etc. etc. » La première difficulté, c'était d'apprendre un peu les nouvelles manières d'assurer avec deux cordes au lieu de une, d'utiliser du matériel qu'il ne connaissait pas, de rester aussi à chaque fois, entre chaque longueur, il y a ce qu'on appelle les relais, c'est des endroits où on attend, entre guillemets. Et voilà, de rester longé à ce relais, d'attendre que soit le partenaire nous rejoigne, soit que le partenaire arrive au relais suivant. Pour les aider concrètement dans l'escalade, il y a une grande part d'indications où on va leur indiquer le parcours le plus facile, les prises de main, les prises de pied, comment se positionner pour faciliter l'escalade. Et puis la deuxième grande partie, c'est les encouragements. En fait, tout simplement les encourager tout le long de la grimpe pour qu'ils ne se démotivent pas, parce qu'on est sur des longueurs d'une difficulté qu'ils connaissent déjà. Ils savent grimper des voies de cette difficulté, mais avec tout le caractère impressionnant de la grande voie, la fatigue de l'enchaînement des longueurs, ils ont beaucoup besoin de motivation et de conseils. Allez, Jason. Pas trop, un bien plus haut. Un peu loin. Allez, ramène-le. Voilà. Allez, pousse dessus là. Non, va le pousser. Si tu nous encourages, on essaie de se donner le mieux possible. Et là, il faudrait que c'est grâce à ça qu'on arrive bien à escalader des endroits où on a vraiment du mal. En termes de sécurité, c'est toujours être concentré et regarder son camarade grimper, s'assurer que le mousquetin est fermé, s'assurer qu'on a bien fait la corde, qu'on a bien mis la corde dans l'assureur. Et pour grimper pour notre sécurité, eh ben, faut pas aller vite, faut qu'on attende que la corde soit tendue. Depuis un an que j'ai fait l'escalade avec Monsieur Aubanel, au début j'ai eu peur du vide, et petit à petit ça s'est calmé. Alors maintenant j'ai plus peur, au moins. J'avais des camarades qui assuraient bien, donc je pouvais m'asseoir dans mon baudrier et regarder où je pouvais me placer. S'ils ne trouvent pas une prise par exemple, eh ben, moi je lui dis où mettre le pied ou où mettre la main. Et après, dès qu'il met la main où je lui dis, eh ben, ça l'aide. Et ils font pareil pour moi. On s'entraide. Allez, Flo, c'est bien. Allez, c'est super, Flo, ce que tu fais là. Non, mais ça, je le sais. Ça nous aide un peu à nous calmer et à se poser. Ça nous aide à pousser nos limites. Allez, tu mets tout ton poids sur le pied droit et tu montes le pied gauche dans le trou, là. Ouais, voilà, très bien. Allez, vas-y, mets un petit peu en droite, voilà. À gauche, t'avais vraiment des gros trous là, complètement à gauche. Allez, c'est bon. En plus, nous, quand on grimpe pour ouvrir la voie, en fait, on leur confie notre propre sécurité parce que c'est eux qui nous tiennent les cordes.
Et ça, ils l'ont très vite compris. Et je pense que même avec des troubles du comportement, le fait qu'on leur fasse confiance et qu'on leur dise bah, « c'est vous qui nous tenez les cordes et qui assurez notre grimpe pendant qu'on va installer le prochain relais », ça vaut toutes les consignes parce qu'ils vont se rendre compte qu'à un moment, ils sont aussi responsables de nous comme nous, on peut être de eux quand on les fait grimper. Effectivement, l'adolescent se trouve en difficulté. Moi, mon rôle, il est soit effectivement, je juge qu'il n'y arrivera pas et à ce moment-là, j'arrête l'expérience immédiatement. Soit effectivement, je sens qu'il est dans une difficulté mais qu'il y en reste encore sous le pied, comme on dit, et que j'essaie d'évaluer en permanence, effectivement, jusqu'où l'enfant peut aller. Et donc, cet accompagnement, qui est un peu sur un fil, on va dire, de manière à ce qu'il y ait un maximum de bénéfices pour lui, qu'il tire un maximum de bénéfices de la situation. Sans, à aucun moment, il faut que l'enfant sente qu'à aucun moment, il est réellement en difficulté, en fait. Qu'il fasse bien la différence entre le danger réel et ce que la situation peut lui permettre de dépasser en toute sécurité, finalement. Ils commencent à vraiment adopter des comportements qu'on attend d'eux en termes de communication, en termes au relais d'encouragement du partenaire, d'assurer le partenaire depuis le haut. Ça, c'est des choses qu'ils n'avaient jamais faites avant. Ce qui le traverse, automatiquement, il va l'exprimer avec sa propre personnalité et avec les propres compétences qu'il aura acquises jusque-là et ses propres expériences qu'il aura accumulées dans son parcours de vie. Donc, encore une fois, certains vont l'exprimer par des paroles, d'autres vont être complètement dans le non-verbal, donc vont essayer de rentrer en relation différemment. On rentre tous en relation différemment. Et on est tous ou des tactiles ou des visuels, etc., etc. Et donc, chacun va l'exprimer à sa manière. Et c'est évidemment à l'adulte à décoder, de manière à pouvoir réellement rentrer en communication profonde avec la personne. Dans tous les cas, moi, je pense que la relation, notamment lorsqu'on mène des projets comme celui-là, qui sont des projets un petit peu ambitieux, puisque long sur le temps, confiné sur un bateau, avec de la fatigue qui s'accumule, en même temps avec un émerveillement permanent par rapport à la nature, puisque le projet du camp, c'est aussi d'éveiller leur conscience aux beautés de la nature, et donc d'ouvrir leur cœur à quelque chose. Et à partir du moment où le cœur est ouvert, on peut rentrer, on peut pénétrer un petit peu plus la psyché de la personne et l'aider un petit peu plus loin. Nickel, super Yann. Par rapport aux consignes, évidemment, selon la personnalité de l'enfant, il peut bloquer. Alors, il peut bloquer sans le dire parce que ce qu'on lui demande, ça va lui faire très peur. Et donc, au lieu d'avouer qu'il a très peur, parce que c'est destructeur pour sa propre image, et déjà, ils ont un souci narcissique déjà, donc il va opposer un veto catégorique sur ce qu'il y a à faire, de manière à ne pas se mettre en difficulté vis-à-vis des autres, et notamment vis-à-vis de lui-même ensuite. Alors que d'autres vont dire, ouais, moi, je suis tout à fait capable, je peux sauter de 30 mètres, enfin bon. On est dans des comportements différents face aux consignes, forcément. Et donc, c'est à nous, dans ce type d'environnement et dans un camp comme celui-là, à connaître un peu mieux les enfants. On les a pratiqués toute l'année dans un atelier, en les mettant dans des situations difficiles, justement, de manière à ce qu'on va les mettre dans des situations encore plus difficiles, à pouvoir prévoir, entre guillemets, leur réaction, la prévenir et justement les aider à aller plus loin, les aider à passer derrière leur peur.
de manière à ce qu'ils se construisent réellement. On essaie de leur enlever pendant une journée entière tous leurs écrans, toutes les choses qui leur permettent de fuir ce monde et de fuir leurs propres difficultés. Et donc on les ramène effectivement dans un milieu qui va être un peu confiné, le milieu du bateau, mais qui en même temps est aussi un refuge, aussi. Puisqu'on est là, on a un regard bienveillant sur eux, ils savent très bien qu'on est là pour eux 24 heures sur 24 et qu'ils vont pouvoir nous utiliser pour eux-mêmes. Ils en ont compris les enjeux. Ils savent aussi très bien, puisqu'on leur a fait faire de l'escalade toute l'année, qu'ils vont devoir traverser certaines difficultés, mais que le regard bienveillant est là, dans tous les cas, et qu'il n'y aura pas de jugement. Donc ils vont pouvoir rentrer doucement dans la relation avec nous, du début jusqu'à la fin, avec une graduation, on va dire, puisqu'on voit bien qu'entre le début et la fin du séjour, la relation évolue énormément avec eux. Et la mise en confiance de la personne va lui permettre de pouvoir traverser certaines émotions qu'il aurait cachées à d'autres moments, et donc qu'il n'aurait pas traversées librement et de manière consciente. Et ça va donc leur permettre de pouvoir se traverser tranquillement, en fait. Et donc de voir derrière l'écran de fumée qu'ils mettent en place en permanence dans l'ITEP et que chacun de nous, souvent, met en place, de manière à ce qu'effectivement l'autre n'ait pas un regard sur ce qu'on est intérieurement et profondément. Et là, c'est un espace où c'est possible, en fait. Parce que même les petits camarades sont en train de traverser la même chose. Et donc, à un moment donné, on voit bien que l'autre aussi est en train de traverser sa peur, l'autre aussi est en train de traverser aussi son génie, aussi. Et donc, on va essayer d'arriver à mettre en place quelque chose d'une symbiose qui va leur permettre de pouvoir exprimer pleinement ce qu'ils sont, en fait, ou de se découvrir. À préparer, il m'a montré tout, il a préparé tout, il m'a aidé, puis je commence à les monter, après j'ai regrimpé en tête tout en haut, puis là-haut c'est moi qui me suis équipé, là comme ça tout seul, je lui dis tu me dis rien du tout, stop, j'ai fait tata, je lui dis regarde, dis-moi si c'est juste, il m'a dit ouais, je commence à les monter, puis on a commencé à faire le rappel, puis on s'est assis, c'est bon, c'est fini, après on est bien, c'est bien. Alors pour ceux qui quittent effectivement le Languedoc l'année prochaine, ce voyage représente réellement un rituel de passage. C'est-à-dire, on leur fait quand même faire des choses qui sont absolument pas ordinaires et que même un être humain normal ne fait pas forcément. C'est-à-dire des grandes voies de 150 mètres, avec beaucoup de vide, dans une sécurité totale, bien sûr, mais émotionnellement, quelque chose d'extrêmement fort à traverser, au même titre que le passage de l'adolescence à l'âge adulte est un moment extrêmement fort à traverser. Et nos sociétés manquent cruellement, effectivement, de ces rituels de passage aujourd'hui. Et donc, estimer effectivement en montant ce type de projet que c'était un moment fort, une expérience forte qui va marquer symboliquement le passage effectivement de cette adolescence à cet âge adulte. On peut vraiment noter une certaine évolution de tous les jeunes dans leur rapport, on a beaucoup moins d'insultes qu'au départ du voyage, on est dans des rapports beaucoup plus normalisés, d'entraide, de solidarité, d'humanité j'ai envie de dire, sans employer des grands termes et des grands mots. Mais voilà, on est dans l'empathie, on est dans la compréhension de l'autre. Et puis je trouve, oui, que oui, en termes de maturité, ils ont fait un bond en avant. Ouais. Allez, le fils, monsieur le couler. Ce que j'ai appris sur cette semaine-là, ouais, c'est de faire une grande voix. J'ai réussi à la faire entière. Est-ce que j'arrivais pas au tout début quand j'ai commencé l'escalade? Ben déjà ça me fait réévoluer dans l'escalade vu que j'avais des gros soucis par exemple de rappel ou quoi, ben, que j'avais peur de faire. Comme là par exemple hier j'ai fait mon premier rappel seul. Et ça m'a permis de me libérer de ma peur du vide déjà. Donc un truc c'est en partie pour ça que je voulais faire de l'escalade cette année. Et ça a bien réussi. Donc la base de mon désir d'éducateur, enfin de faire ce métier d'éducateur spécialisé, c'était pour aider l'autre. Et puis essayer de me découvrir encore plus moi-même, puisque je suis persuadé qu'à travers la rencontre de personnes en difficulté, on aide les autres, mais on s'aide aussi un peu soi-même, quoi. Alors pour moi, personnellement, c'est un projet qui résonne très fortement à l'intérieur de moi. L'escalade a été quelque chose qui m'a construit. Et donc c'est un petit peu, c'est un petit peu rendre quelque chose que la nature m'a offert. Et aider un petit peu plus loin. Je pense que réellement les seules compétences qu'on a à développer, c'est notre seule humanité à l'intérieur de ça. C'est la seule chose qui m'anime en fait.
c'est rendre service et rendre un peu ce qui m'a été donné, ce qui m'a été offert. Cette opportunité qui m'a été donnée de traverser certaines choses. Et l'escalade a été réellement pour moi quelque chose qui m'a construit et qui peut être utile à d'autres personnes. Ce n'est pas le seul outil, mais c'est un outil qui me passionne et la transmission de cette passion permet à d'autres personnes, effectivement, en s'appuyant dessus, de se découvrir elles-mêmes. Là, pour le coup, on a un encadrement qui est important, certes, mais à mon sens, tout le monde a sa place et on est vraiment dans un travail de qualité. Ça veut dire qu'on peut vraiment aller chercher l'individu plus profondément, on peut vraiment plus accepter ses troubles, ses difficultés, reprendre. On a le temps de faire et de bien faire surtout. Et c'est ça qui est super, super appréciable et qui, moi, me porte toute l'année, qui me met un énorme coup de pompe et qui me dit Mathieu, tu y es là. Là, on est au cœur de l'éducatif. Et ce que tu fais finalement toute l'année, ce qu'on porte toute l'année, pas qu'au niveau de l'atelier escalade, parce qu'on fait la même chose avec ma collègue Marie, sur le groupe, bah, ça a du sens. Et là, là, vraiment, on est dans un travail hyper efficient. Et moi, c'est ce que je recherche tous les jours. Mais ce travail institutionnel, il y a 74 enfants, que des garçons, sur des groupes de 12 ou de 8 ou de 10 sur l'internat, c'est extrêmement difficile et ils s'y perdent aussi, ils s'y noient, tout le monde s'y noie, l'éducateur s'y noie parce qu'il n'a pas l'impression de faire un travail de qualité. On en parlait tout à l'heure à Corentin, des fois on a l'impression juste de gérer la sécurité. C'est-à-dire qu'on va faire une sortie, on gère la sécurité, il n'arrivera rien, on a évité un conflit physique, on a repris une parole inadaptée, déplacée, une insulte, oui on est là-dedans. Mais alors pour aller chercher l'individu sur ce qu'il a de plus personnel pour développer des choses qu'il a en lui, parce que c'est le cœur de notre boulot, c'est d'aller chercher ce que la personne en lui et d'essayer qu'elle en prenne conscience et qu'elle s'en serve pour qu'elle le développe et qu'elle s'en serve dans sa vie future. Mais on n'a pas le temps. Là, on a le temps. Et je suis persuadé que du coup, on impacte beaucoup plus fort les jeunes. Je ne sais pas de quelle manière, parce qu'il faut rester humble, il faut rester modeste, je ne sais pas dans quelle manière on leur apporte quelque chose, dans quelle manière ça va s'inscrire dans leur vie personnelle, dans leur trajectoire personnelle et individuelle, mais à mon sens, ils en tireront quand même un bénéfice, l'usufruit de quelque chose. Je ne sais pas si c'est maintenant, je ne sais pas si c'est après en rentrant à l'ITEP, je ne sais pas si c'est dans leur famille, je ne sais pas si c'est après dans leur projet professionnel et personnel ou dans leur construction de leur vie d'adulte, mais je suis persuadé de quelque chose, c'est qu'ils en garderont quelque chose. La vie sur ce bateau et la vie sur ces falaises les pousse à adopter des conduites ou à toucher quelque chose dont ils se serviront plus tard. Voilà, ça j'en suis intimement convaincu. Thank you.